السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وزيد على ذا النبي الكريم وعلى اله واصحابه ومن استنى سنته وصار على نهج الا يوم الدين وبا Toute euh, la louange appartient à Allah, exalté soit-il, salut, paix et bénédiction sur le dernier des messagers d'Allah, Muhammad fils d'Abdullah, miséricorde pour toute l'humanité, envoyé aux hommes. dans un seul but de tirer les êtres humains des ténèbres de l'idolâtrie vers la lumière parfaite. Salut, paix et bénition sur sa famille, ses fidèles et braves compagnons qui n'ont pas trahi, et sur tous ceux qui suivent le droit chemin de la soumission jusqu'au jour de l'attribution. Téléspectateurs, aujourd'hui, nous revenons sur ce plateau pour fixer l'opinion musulmane d'une adoration qui va arriver dans quelques jours. Bienvenue Subhanahu Taala. Mais bien avant de parler de cette adoration, je mérite ici rappeler une chose, que si vous avez un étranger de marque qui vient vous visiter et vous avez écho que cet étranger va venir vous visiter, souvent vous vous organisez à rendre la maison propre à faire de telle sorte que quand l'étranger viendra vous visiter, que l'étranger ne vous constate pas en état de faiblesse ou ne trouve pas des failles quelque part. C'est pour cette raison que cet étranger qui va arriver dans quelques jours, c'est un étranger de la part d'Allah. C'est le choix établi et fait par Allah, exalté soit-il. Parce que Allah, quand il a créé, il a fait son choix. Il a créé les hommes, il a envoyé des messagers. Mais il a fait de Muhammad sur le permission, donc le tout dernier messager, Khadim Mursalin, le tout dernier messager de Dieu. Il a fait de lui Muhammad sur le permission, messager et le tout dernier. C'est de la même façon, Allah a créé il y a donc 12 mois, mais il a fait son choix. C'est ce qui nous ramène dans le Saint Coran, quand Allah présente les faits et dit "Tilka Rasul, faddalna ala Bad." Il présente, voici mes messagers. J'ai préféré certains à d'autres. C'est-à-dire, parmi les messagers d'Allah, il y a ceux qui sont élevés en degré. C'est de la même façon aussi par rapport au jour de la semaine. Il y a un jour exceptionnel que Dieu a choisi pour que les musulmans se rassemblent et qu'ils fassent une prière commune qu'on appelle vendredi ou Juma ». De la même façon aussi pour les mois. Nous en avons donc douze. malas a choisi un mois, mois dans lequel il a instruit, il a ordonné à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur le pied bénédiction et à toute sa communauté d'organiser une adoration qu'on appelle le jeûne, c'est-à-dire Assom. C'est pour cette raison qu'il recommande dans le saint Coran, parlant de cette adoration, Allah interpelle les croyants ces termes. amanu » Kutiba alaykum kama min vous les croyants vous qui avez proclamé la foi en Allah vous qui avez proclamé la foi avoir foi aux anges les créatures d'Allah aux messagers d'Allah au livre révélés, aux prophètes au destin qui touche le bien et le mal au jour de la kutiba il vous a été prescrit le mois de, de ramadan il vous a été prescrit le jeûne du mois de ramadan comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé c'est à dire les communautés antérieures celles qui ont précédé bien avant l'avènement du prophète Muhammad sur et il y a eu des communautés que Allah, subhanou wa Allah exalté soit-il quand il a envoyé ses messagers, il leur fa faisait pas aussi cette adoration qu'on appelle le jeûne. Le jeûne n'a pas commencé avec Muhammad sur le bien avant Muhammad. Le prophète Jésus, le prophète Rish, en faisait le jeûne. Sa communauté également jeûnait. Le prophète Moïse, en Selem, sur le bénédiction, faisait aussi donc le jeûne. Mais Allah précise à Muhammad sur le bénédiction, il dit... Nous avons prescrit à toi, c'est-à-dire à ta communauté, le jeûne du Ramadan, comme l'avions également prescrit à ceux qui vous ont précédé. En faisant donc cette adoration, nous atteindrons ce qu'on appelle la taqwa, la, la taqwa. Ici, que la ici, c'est l'attention que la fin de cette adoration va conduire celui qui va jeûner, qui va observer ce jeûne, cette adoration telle que Allah. L'a demandé le prophète de l'enseigner, il atteindra la perfection qu'on appelle la taqwa. La taqwa ici a été définie par les savants de l'islam, d'abord linguistiquement, la taqwa al-wikaya. La taqwa veut dire al-wikaya, c'est une barrière. Et quand nous revenons dans le lexique religieux, à bimana, al wa Ça veut dire ériger une barrière. On érige une barrière entre toi, le fils d'Adam, et le châtiment d'Allah qui te guette, tu érige une barrière. Cela en observant les ordonnances d'Allah, en, or, en observant les recommandations d'Allah, en laissant de côté, en, en, en bloquant ici la porte à l'ensemble des interdits d'Allah. Et c'est ça l'objectif visé dans ce, dans ce jeûne de ramadan qui va intervenir. sous C'est pour cette raison que ce jeûne de ramadan. Le messager de Dieu Mohammed Soupe bénédiction, dans un hadith est rapporté par l'imam Bukhari et Mouslim, selon l'un des compagnons du prophète Mohammed Soupe bénédiction, fils d'un compagnon aussi du prophète qu'on appelle Abdullah ibn Umar, que Dieu soit satisfait d'eux, il dit que Bounia l'islam, qu'il a entendu le messager de Dieu Mohammed Soupe bénédiction, dit L'islam est fondé sur cinq piliers. Et parmi les cinq piliers, c'est-à-dire. Ce qui soutient, les piliers qui soutiennent l'islam, il y a un homme à citer le jeûne du mois de Ramadan. Donc, premièrement, nous avons la profession de foi. Cette profession de foi, c'est donc de témoigner qu'il n'y a pas d'autre divinité d'une adoration à part Allah Muhammad, et que Muhammad, sous la bénédiction, est le tout dernier messager d'Allah envoyé à l'humanité tout entière. Nous avons également la prière, l'accomplissement de la prière cinq fois par jour. Nous avons aussi. Troisièmement, la zakah. La zakah, il s'agit de l'aumône d'hymne légal que l'on donne à ceux qui sont les démunis. Les riches doivent donner 2,5% à ceux qui sont en difficulté. On a le jeûne du mois de ramadan et le pèlerinage à la Mecque pour ceux qu'Allah a accordé des moyens. Voilà donc les cinq piliers de l'islam. Mais ce qui nous concerne ici, c'est le mois de ramadan, c'est-à-dire le jeûne du mois de ramadan. Ce jeûne est donc une adoration. Une adoration, nous allons commencer d'abord par définir ce que ça veut dire à somme. Parce que Dieu dit Côté au ça veut simplement dire, à l'émissaire du point de vue linguistique, s'abstenir. On s'abstient de quoi On s'abstient de manger et de boire. Les savants de l'islam définissent le jeûne comme étant. Cette façon de s'interdire de manger, boire, avoir des rapports conjugaux, légaux, avec 100 ou 16 épouses, depuis tout le Fadir, avant la prière de l'aube jusqu'au crépuscule, c'est-à-dire la prière de Maghreb ici, généralement chez nous, c'est à partir de 18h. Donc, durant ce temps-là, vous qui êtes dans le jeûne, il vous est interdit de manger, vous est interdit de boire, vous est interdit d'avoir des rapports. Conjugue avec votre femme ou vos épouses, si vous êtes polygame, durant cette période, dans, dans la journée. Il vous a interdit également de médire, il y a encore d'autres choses, de, de regarder les Muharramat et ce qui est interdit. Vous êtes dans une, dans une école qui va vous conduire progressivement vers la crainte d'Allah, ce qu'on appelle taqwa. C'est pour cette raison, c'est pour cette raison nous disons ce qui suit. Tous ceux qui n'ont jamais compris le sens du jeûne, vous allez constater que dans la communauté musulmane, certains délaissent la prière pendant un long moment. Et quand le mois de Ramadan arrive, quelqu'un pense que la personne va se rattraper. Oui, c'est une occasion de revenir repentant envers Allah. C'est une occasion de revenir pour se purifier par ce mois. Par ce mois, le mois du Ramadan, où tu es appelé à observer les recommandations d'Allah, mais entre-temps, de prendre un engagement solennel, parce que nous sommes en train d'entrer dans une école. Quelle est cette école C'est l'apprentissage de la taqwa. Comment apprendre à craindre Allah Comment apprendre à être en harmonie avec Allah exalté soit-il et avec son semblable Au cours de ce mois de Ramadan, nous sommes appelés à faire des efforts, à doubler. Nos efforts pour que Allah subhanahu wa nous pardonne et qu'il nous accorde son paradis. Parce que le prophète Mohammed, parlant des mérites du Ramadan, il dit mm. Celui qui jeûne le mois de Ramadan sincèrement, avec foi, avec sincérité, en, en, en mettant en applicabilité les recommandations d'Allah, en suivant le prophète Mohammed, verra ses péchés être pardonnés. Alors, nous disions ici, en Démarrons notre mission car a dit, Allah vous a prescrit le, mois de, le jeûne du Ramadan, Comme il a prescrit à ceux qui vous ont précédé, ceux qui nous ont précédés, nous avons la communauté juive. On a la communauté chrétienne. Est-ce que réellement le jeûne n'a pas été observé par les communautés antérieures, c'est-à-dire celles qui sont arrivées avant le prophète Muhammad? C'est pour cette raison que ceux qui nous suivent, ce n'est pas de l'amalgame. C'est juste une façon de dire que le jeûne existe dans les livres antérieurs. Le jeûne, le jeûne de Ramadan, je veux parler ici du jeûne. Si je parle de Ramadan, c'est le neuvième mois du calendrier lunaire. Le neuvième mois du calendrier lunaire s'appelle Ramadan. Et au cours de ce mois, il y a une adoration qu'on appelle le jeûne. Est-ce que le jeûne a été également organisé par les communautés qui ont précédé la communauté de Muhammad alayhi wa sallam Si oui, alors c'est ce que nous sommes en train de vouloir savoir avec notre frère, Abdullah. Abdullah qui va venir, il va nous parler, inshallah wa subhanahu des communautés antérieures, avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui ont également organisé ce jeûne, que nous allons appeler ici, même jeûne, mais pas du monde de Ramadan, seulement que la façon de jeûner était contraire à celle de Muhammad sallallahu wa sallam, parce que la communauté de Muhammad sallallahu wa sallam, a reçu la forme parfaite et parachevée de cette adoration qu'on appelle le jeûne. Abdullah, bismillah. Assalamu alaikum, ar rahman rahim, assalamu alaikum J'ai commencé par ma salutation, une salutation qui a été la formulation de tous les prophètes, y compris Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui, dans Luc chapitre 24, verset 36. Alors, très chers auditeurs et téléspectateurs de Télé-Congo, moi qui suis un enfant de la diaspora africaine, je suis très honoré et je remercie Télé-Congo. De me laisser participer à ce petit euh, événement spirituel. Alors, effectivement, je commencerai mon verset, un verset coranique, dans la Sourate 46, verset 9, où Allah ordonne à son prophète, le prophète Mohammed, alayhi salat wa salama, il lui dit Di, ma kuntu mina Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Et ce passage, mes très chers frères et sœurs, est un passage qui est la clé. C'est la clé qui ouvre la porte de la séparation entre nous musulmans et nos voisins chrétiens et juifs. Voilà, c'est la clé qui ouvre cette porte et qui fait que cette séparation se dissipe. Parce que très chers téléspectateurs, lorsque vous voyez un musulman arpenter les rues de Brazzaville avec une barbe abondante comme la mienne, sachez, mes très chers frères et sœurs, que il ne fait qu'honorer le verset que je viens de citer. Je ne suis pas innovation parmi les messagers. Car tous les prophètes avaient la barbe. Aaron avait la barbe. Psaume chapitre 133, verset 2. David avait la barbe. 1 Samuel chapitre 21, verset 13. Moïse, Jésus avait la barbe. Conformément à la loi mosaïque dans Lévétique chapitre 29, verset 17, où on nous dit de laisser la barbe aux enfants d'Israël. Très chers téléspectateurs, lorsqu'un lorsque musul... vous voyez un musulman s'interdire formellement le porc il ne fait qu'honorer le verset que je viens de vous citer je ne suis pas une innovation parmi les messagers car la Bible a interdit aux enfants d'Israël de manger du porc Deutéronome chapitre 14 verset 8 très cher téléspectateurs lorsque vous voyez un musulman rendre un strict culte à ne manger que de la viande dite halal Sachez encore une fois qu'il ne fait qu'honorer ce verset que je viens de vous citer. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Car la Bible dans l'Ancien Testament, Lévitique chapitre 17, verset 14, et dans le Nouveau Testament, Acte des Apôtres chapitre 15, verset 29, interdit de manger la viande non égorgée. Très chers téléspectateurs, lorsque le musulman s'apprête à faire le pèlerinage, un pèlerinage que même si vous n'avez vous pas d'amour pour les musulmans, vous, serez, vous saurez... Quand il commence et quand il finit, le musulman ne fait qu'honorer le passage que je viens de vous citer. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Car dans la Bible, dans Deutéronome chapitre 16, verset 16, Dieu avait ordonné aux enfants d'Israël de faire le pèlerinage. Et Jésus lui-même effectuait le pèlerinage dans Luc chapitre 2, verset 41 à 42. Alors, au sujet du ramadan, c'est la même chose. Comme l'a dit mon très cher grand frère Shir Ngolo, la Bible témoigne que le jeûne a toujours eu lieu. Moïse a jeûné 30 jours et 30 nuits, rappelez-vous, c'est dans Deutéronome chapitre 19. Esdras a jeûné, c'est dans Esdras chapitre 18. Jonas a jeûné, c'est dans Jonas chapitre 3. Joël a jeûné, c'est dans Joël chapitre 2. Donc, comme vous le voyez, tous les prophètes ont jeûné. Et il y a quelque chose qu'on doit souligner. Quand vous allez dans la tradition juive, la communauté juive, les juifs se réclament de Moïse. Mais il faut savoir que Moïse a jeûné 40 jours et 40 nuits. Mais dans la communauté juive, actuellement, nous ne jeûnons que 7 jours dispersés dans le calendrier hébraïque. 7 jours, dont 5 jeûnes mineurs et 2 jeûnes majeurs. Le premier jeûne majeur, c'est le jeûne du mois de Havre. 9 neuvième jour du mois de Havre, pour commémorer la destruction des deux temples de Jérusalem. Et le deuxième jeûne majeur, c'est le jeûne de Yom Kippour, qui est l'équivalent c'est l'équivalent du Ramadan pour nous. Un jeûne où on fait des prières collectives et on demande le repentir. Mais remarquez que Moïse a jeûné 40 jours et 40 nuits, mais les juifs actuels ne jeûnent que 7 jours dans l'année. Du côté du christianisme, le carême a été instauré qu'au 4e siècle. Et au fil du temps, il a subi de nombreuses modifications. Par exemple, en l'an 364, avec le concile de Laocidée, le carême ne consistait pas à jeûner et s'abstenir de manger ou de boire. Mais non, il consistait plutôt à une restriction alimentaire, à savoir manger que du pain sec et des fruits secs. Et au 7e siècle, à cette époque-là, il y a eu encore une nouveauté qui consistait tout simplement à ne manger qu'un repas quotidien dans la semaine et à jeûner complètement le samedi et le vendredi saint. Donc vous voyez que nous sommes loin des 40 jours de désert, de jeûne de Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui. Alors face à tout cela, comme l'a dit notre très cher grand frère, nous musulmans, nous jeûnons 29 ou 30 jours comme l'a fait notre prophète Mohammed, et par cela face à toutes ces nouveautés, parce que qui dit nouveauté dit innovation qui dit innovation, dit dénaturation du jeûne à son origine. Et donc le musulman se veut être le revivificateur d'un jeûne en conformité et en harmonie avec les prophètes. C'est très important. Alors je vous remercie de m'avoir laissé la parole. Et inshallah, on espère à notre prochaine intervention passer à la deuxième partie que notre frère... Chir Youssouf Ngolo a parlé dans la Sourate Al-Baqarah au verset 183, où il a dit Oh vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne comme ceux qui vous ont précédé, peut-être atteindriez-vous la piété. Alors, de quelle manière, en s'abstenant d'une subsistance physique, une restriction de subsistance physique, on a l'élévation spirituelle On verra ça, Inch'Allah, à une prochaine intervention avec euh, l'équipe de Télé Congo barakallahou fikoum jazakallahou khair je souhaite un très bon musul... un très bon ramadan à tous nos frères et sœurs musulmans et donc euh, nous disons que le rendez-vous est pris inshallah ou subhanahu wa ta'ala le ramadan peut être va commencer euh, le 16 باذن quand vous le savez l'objectif pour euh, notre jeûne de Ramadan c'est d'atteindre la piété c'est d'être parmi les muttaqin euh, c'est un mois sacré nous sommes appelés à, pense, à penser à nos frères qui sont en difficulté les démunis il faut trouver déjà une solution pour ceux qui ont des moyens Pensez déjà à ceux qui dans, sont dans certaines mosquées démunis les renvoyer un peu de vivres pour que ils participent à cette adoration avec euh, quelques moyens qui pourront leur permettre, Inch'Allah, d'aller jusqu'à la fin de ce mois de Ramadan. Le prophète nous a demandé de gêner avec la personne de la nouvelle lune, il termine avec euh, la nouvelle lune, il demande à Allah de nous pardonner et de nous faciliter l'entrée dans le Ramadan Wallah wa ta'ala, wa rahmatullahi wa barakatuh.